Yes, ah, passe à Serpent's Yard. J'aime beaucoup ce niveau, j'aime bien sa musique aussi. Ah, ici, le point d'armure comme d'hab. Non, ça a pas trigger. Normalement, ça trigger ce truc là-bas, ou alors c'est le sac. Importe. Bah, ça doit être le sac. Il est censé s'activer ce truc là. Pourquoi il s'active pas? En panne. Bon, il est en panne. Ça me va aussi. Il est censé tirer des roquettes. Alors ici, on a un petit secret du schnapps. Plante suicidaire secrète. quel guacker. Ok, voilà pour les secrets. Let's go. Oh merde, des reptiles dans mon dos. Ah, ça c'est pas glam. Ouais, au canon, tiens. Ça dégage. Alors là, ça va être un sacré passage aussi. Alors je sais pas si péter les serpents ça fait quelque chose. En ce niveau-là, il me semble que non. Là, ça c'est un sacré passage ici. J'essaye de retourner en arrière pour prendre mon espace. Car normalement, si tu restes dans la cour au milieu, t'as tous les clairs qui t'arrivent, qui t'entourent. C'est assez chaud à gérer. On va faire rester en hauteur. En plus, il y a les boules de feu qui tombent et tout.
en a encore. Il y en a un qui s'est coincé, classique. Ah, il y en a encore. Meilleur feu d'artifice que le 14 juillet. Que celui de cette année, certainement. Bon, allez, ça suffit maintenant. Faut arrêter de pop. Ils veulent pas, hein. Je crois que c'est bon. J'ai récupéré mon petit cœur. Ah, finir un fight full vie, full moon, c'est ça qui est bon. Enfin, je sais pas si je vais tester d'arme assez ça. Il me semble que ça c'est considéré comme un secret. Ouais, voilà. Et en plus, il y a un petit sac de pognon que j'ai pas vu. On a un autre secret, une autre cabine téléphonique. Il y en a plusieurs dans le jeu. Hello? Who the hell's that? It's me, Sam. Sam who? Serious Sam. Yeah, right. What a joker. Sam, I am. Voilà. C'est les petites blagues nulles, hein. Classique. Ah, bonjour, au revoir, merci pour l'accueil. Parce qu'il y a autre chose que la vie derrière cette maison. Ouais, ok. C'est quoi ça? La compagnie des courantes aux USA, ok. Ah, c'est la phase où il y a des taureaux qui se ramènent. Ils se bouffent des roquettes et. Et il a quand même réussi à m'en mettre une. Ces lance-roquettes ne sont pas assez efficaces. Je pourrais aussi les sniper, hein. Faut pas prendre de risques. Putain, mais... Ils sont pas censés pouvoir se retourner comme ça après avoir chargé. Mm-hmm.
là comme ça, ça me scie. Aïe, aïe, aïe. Ouais, faut que j'attende qu'il disparaisse. Non. Ouais, je suis pas bien. Ici, il y a un petit levier qui fait pop un petit kamikaze en l'air. Si tu le shoots, ça fait tomber des munitions de l'autre côté. Un petit largage. On entend une bébête là derrière. Hop là. Alors si j'avais compris pourquoi il y avait ce power up de dégâts à cet endroit alors qu'il n'y a pas grand chose à tuer autour. Voilà, grosso modo, il n'y a plus rien quoi. Gros power up. Ah, ça c'est une zone du schnapps aussi. Je casse. C'est une zone où il y a plein de téléporteurs sous ce truc. Ils téléportent un peu dans tous les sens et c'est assez relou donc. On va faire rusher le machin me barrer. J'avais oublié ce truc. Ah, la statue qui t'attaque. Enfin, c'est pour ça que je n'aime pas ces statues. Elles sont pas fiables. Alors là, il va y avoir un autre secret pas mal du tout derrière cette pyramide. Un secret plutôt sérieux. Alors on sait que Sam, à force de se balader en Égypte, il aime pas trop les pyramides, hein, ça l'a un peu saoulé. Du coup, ça dégage. Évidemment, sous les pyramides, y a pas c'est pas des pharaons qu'il y a, hein, ce sont des reptiliens. Hein. C'est bien connu. Un speedrun, ça aussi en perspective, je sais pas. Le speedrun tel qu'il est fait normalement m'intéresse pas des masses. Après un speedrun à l'impro en mode serious éventuellement. La plupart des speedruns sont soit en touriste, soit en normal et ça va se joue beaucoup sur les rocket jump débiles et les out of bounds et il n'y a quasiment pas de combat. Personnellement je suis pas trop chaud pour ce genre de speedrun.
Faut activer ça, je crois. Voilà. Là, tout ça pour une armure. Je me souvenais de lui. Hop là. Je me souvenais moins de lui. Un speed fun, ouais, ça éventuellement. Mais en vrai, c'est chaud. Je joue de manière tellement différente. J'aime pas si on a le droit aux autosaves en speedrun. Je sens qu'il y avait une histoire comme ça où t'es pas censé recharger ta partie. Et en serious, bon, au secours. Ah bah, un secret un peu creepy. Le guetteur secret. Déjà, toi tu dégages. Ah, il est là. On nous guette. Je vais faire essayer de l'autre quand ça casse pas le jeu et que c'est possible sans. Ouais, il faudra que je regarde. Il faudra que je regarde les règles. Alors là, il me semble que si on s'approche. Je sais plus comment. Non. Tirant dessus peut-être. Comment le proc secret. Ah voilà. Voilà. Petit kamikaze géant, c'est cadeau. Si tu restes trop près, il te one shot évidemment. Boom, headshot. Venez, hop là, on peut laisser se suicider. Ça marche aussi. Et à part ça, je crois qu'on est bon. Alors, il doit y avoir un ou deux sacs de pognon, voilà, qui traînent dans le coin, mais à part ça, il n'y a rien dans cette cour. Il nous gaffe tellement de munitions tout le temps, c'est vénère. Déjà dans le 1 on en manquait pas trop, mais alors dans celui-là.
c'est la fin de ce niveau et je crois qu'il y a encore un petit secret. Yes. Munition de laser gun. Alors j'ai pas de laser gun. Je sais pas s'il y a un secret pour trouver le laser gun plutôt. Peut-être. Je connais pas tous les secrets encore.